Alors attends, faut que je bouge des choses, parce que attends, c'est un peu le bordel. Tu racontes une anecdote vraie ou fausse qui doit durer moins de 10 secondes, ok? Bonjour à tous, on est là, ça fait plaisir, c'est Fares Bichard. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, voilà, donc c'est cool. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment dans cette vidéo. Elle va durer exactement 10 minutes 09. Bien sûr que non, vu que c'est une vidéo assez longue qui peut durer peut-être 21 minutes 06. Ça fait grave plaisir. En tout cas, voilà, j'ai passé du bon temps avec vous. En ce moment, ça se passe bien chez moi, chez vous aussi également. Donc, ça fait toujours plaisir. Et je vais continuer pour compenser, vu que Fares n'est toujours pas revenu. Et dans tous les cas, c'est moi qui fais l'intro de la vidéo. Donc, il pourra mettre ce que tu veux. C'est pas là, c'est un montage, c'est ouais, c'est vrai. Donc, tu pourras faire ce que tu veux. Bonjour à tous, c'est Bichard. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Damien est là. Oui, je suis là pour la nouvelle vidéo. Là ? Là. Là, là ? La vie va être là. En soi méthodique. Là, là. Je pense qu'il va être méthodique. Là, 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 Ok, ça marche. Là, c'est l'intro est un peu longue. C'est vrai qu'eux, ils attendent la vidéo, c'est. Ouais. Mesdames et messieurs, bonsoir, nouvelle vidéo, Assassin. Vous connaissez tous ce rôle, un rôle emblématique. Merci, The Guild. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Wagil, Wagil, Wagil. Le titre de la vidéo est un peu spécial. Assassin sous contrat, vous vous dites quel montage, est le contrat. Montage. Il y a plusieurs types de contrats. Damien, on peut avoir quoi? Un contrat de mariage? Un contrat d'habitation? Un contrat de taxes? Un contrat d'usurpation? Un contrat de loyauté, un contrat d'amitié, un contrat de ta mère, ouais. Celui-là, j'ai jamais rencontré. Non, mais en vrai, il y a plusieurs types de contrats. Et cette fois-ci, j'ai signé un contrat que je n'aurais peut-être jamais dû signer. Vous allez le voir. Bonne game à tous. Bonne game. Oh, et il y a assez les rôles. OMG, je suis assassin. OMG, il est assassin. Ouais, je t'appelle moi aussi. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous aimez, s'il vous plaît, abonnez-vous. Road to 100 000 abonnés. Ce serait génial. N'hésitez pas à passer sur Twitch. J'ai un petit bout de... Ok, love. Oh, hein? Eo. Quoi? Eo, pas là. Finis pas comme ça. Dis-moi un mot en 4 syllabes. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais c'est pas un mot. Mais c'est 4 syllabes. Oui, mais c'est une phrase. Il y a un mot. Un mot en 4 syllabes, les amis. Oh, Dave. Rien de bavard. Ah, il y a 1240. Oui. Allez, commençons notre LG en tant qu'assassin, les gars. On va essayer de vivre bien longtemps. Et d'essayer de tout péter. Hello. Ça va? Salut. Ça va? Ouais, toi. Ça va, ça va. Grrr. Ah. Ah. On est vache. Si jamais le gros est pas ici. Les gars, les gros. Qu'une chose qu'il soit ici, les gars. On va essayer de vivre bien longtemps. Et d'essayer de tout péter. Non, mais c'est qui le premier, paraît le deuxième? C'est ça, ce sera Dwarf. Ou Omega, ou Omega. Et après Omega. Eh, les gars, je vous le dis, c'est moi. Ah ouais! On sait que c'est toi, Richard. Ah ouais! C'était Guile en fait. Qui? Ah ouais, ouais! J'ai clairement envie de péter mon crâne. Vraiment, j'ai envie de tout casser. J'en étais sûr. Ça fait quoi d'être assassin ou feutré? Je suis assassin, ouais. Perfide. Les deux. Ah, c'est perfide le premier? Assassin, excuse-moi. Ouais, c'est perfide le premier. Comment ça se fait? Ça te fait, ça te fait plaisir? En vrai, un peu chiant parce qu'on m'aspecte du coup. Un peu chiant. Est-ce que tu veux pas que je te tue maintenant? Genre, comme ça, c'est réglé. Non, mais par contre, on peut aller 1v1 loin si tu veux. Bah non, il fait jour. Ah ouais, justement. Aïe aïe aïe. T'as remarqué qu'il était pas au zéro? Il est jamais au zéro. C'est très là, il est juste en invisible en fait. Si, il vient tout au zéro, Guile. Non, mais si tu perds, tu. C'est toi l'assassin ou c'est moi l'assassin? Non, je suis fait spec, t'inquiète pas. Ouais. Par contre, je suis pas assassin, moi je suis juste LG perfide par contre. Ah, ok, oui. Bon, bah, c'est ça, l'annuel tombe, tu t'es pas mis invisible là? LG perfide, c'est Bichard l'assassin, si on suit la logique. Oui, mais non, mais c'est vraiment ça. Mais moi, c'est vraiment ça aussi, hein, t'inquiète pas, mon ref. Salut, mon ref. Bah, je te le dis, hein, c'est. Bah, mon ref. Bah, écoute. On est gros seffards là. Bah, je vais me mettre invisible, je crois. Vas-y, je te regarde. T'en veux combien? J'en ai 5. Oh non, j'ai perdu mon mate. Je le savais en plus. Viens, on traîne ensemble, on fait un carnage. Bah quand tu veux mec. Vas-y. Ah, c'est ça, c'est les deux specs là. Bah oui, exactement. Bon, ça va la voyante bavarde là? Ah ouais, bah oui c'est moi du coup hein. Là ça doit être moi. Tu m'as regardé, je sais, je sens. Oui c'est vrai. Oui c'est totalement vrai. Merci frérot, merci, j'ai plaisir. Je voulais le faire pour un, je me suis dit finalement on va peut-être attendre un peu. T'es un enculé. Tu veux? Écoute, pourquoi ça marche?
tu me fournis en gameplay toute la game, je ne révèle rien du tout si tu me fournis en story toute la game. Regarde la différence de gameplay. J'ai peur de vous, hein. Non, hein, non, mais on est tous les deux spec, t'inquiète. T'inquiète. Justement, j'ai peur de vous, hein. Je pense pas que tu sois spec, Gil, parce que tu serais assassin, tu serais remonté beaucoup plus tard. Et tu aurais été perfide, tu serais mis invisible direct. Je pense pas que tu sois fait spec. Bah, c'est sûrement Dwarf et Omega, je pense. Vous inquiétez pas, mec. Part sur cette idée, c'est sûrement Dwarf et Omega, je pense. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Lui, il est voyant et lui, il est assassin. Moi ? Ferme le stream, par contre, frérot, comme Nada, ça va se voir. Ferme le stream. Oui, là, t'as quand même beaucoup d'informations, frérot. Voilà, ça fait beaucoup. Franchement, je suis à deux doigts de te fumer. Je suis à deux doigts de te spec prochain jour pour vérifier, mais bon, vas-y, après, c'est. Vas-y, mon gars. Non, non, mais en vrai, je suis voyant, faut que je joue RP, attends, tu vois. D'ailleurs, je vais préparer la colonne déjà, tu vois. Quand t'es assassin, tu gagnes la game. Ouais. Et moi, je me fais spec. Alors du coup, je te disais. Oui. Je te propose. Oui. Je ne révèle rien du tout, tu vois, parce que je compte le jouer RP, mon truc, tu vois, y a pas de problème. Okay. Je vais parler au 0-0, dire, hey, les gars, tu me fournis en stuff toute la game. Ouais. Bah attends, je veux juste te faire signer un contrat. Attends, bouge pas. Ah mais merde, j'ai des livres. Bah attends, bah c'est pas grave, tiens. Vas-y, je te fais signer directement. Signe là-dedans, vas-y. Je peux pas, il faut un truc éclair. Ah, il faut un book and quill. Bah, attends, oui, attends, bah, attends, viens, bah, signer un contrat. Je et, game et je vais et voilà. Book and quill. Ah ouais, c'est ça. Book voilà, comme ça, tu signes notre contrat, tu me fournis en stuff toute la game. Voilà. Et tu vois, voilà, on peut s'arranger comme ça, tu vois. Je sous-signe. Tu me fournis comme Monsieur ça, vite Monsieur Bichard Fares. À tout moment, il y a la paix autour de nous, mais t'es mort de mort. Hein. Atteste par la présente. Guillaume The Guild. jusqu'à 200 minutes de jeu. 200 Oh là là. Allez, 150, 150, s'il te plaît. 150 minutes de jeu, ça okay. Me va, ça fait 90 minutes. Il prend effet quand contrat. Tout de suite. Non, frérot, non. Effet immédiat. Signe pas la mauvaise date, hein. Et à Metz, le 13. Comme ça, demain, tu me fournis un stuff dans la game. Let's go. Sauf que demain, tu fais pas de game, en fait. Ok, le mec est trop fort. Il signe pour demain, sauf que demain, il joue pas la game. Je te signe le livre ou tu veux compléter? Ah non, tu signes. Okay, tu signes le contrat, attends, hein. Voilà, merci. Ok, c'est bon. Tu le gardes, il faut que tu gardes le contrat. C'est-à-dire que si à tout moment dans la game, si tu n'as pas le contrat, je te fume, ok? Par contre, t'as écrit je sous-signé et eux. Bon, bah, moi je le saurai maintenant. Steph jusqu'à 150 000 contrats et immédiat, c'est MS, ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton honnêteté, frérot. je t'avoue les que gars, là. Je t'avoue que je suis un peu deck. Voilà, merci à toi. J'avoue qu'il y avait une solution plus facile. Il y avait une solution plus facile aussi, mais après. Mais c'est moins cool pour toi. Ouais les gars, ouais, on est en train d'établir une stratégie de jeu. On signait des trucs. Oui, d'accord. Des papiers. Okay. Je trouve cette game très drôle. Bah pourquoi frérot? Aucun problème. Pourquoi c'est marrant? Bah je sais pas, je trouve qu'on s'amuse bien quand même. Ça vous dit pas, venez on s'éloigne un petit peu, en vrai j'ai pas confiance là, en vrai, en tous les gens qui sont là. Vas-y, y'a pas de soucis. C'est possible. Du coup, Risto, comment ça se passe du coup là? De quoi? Un problème? Bah ouvre ton chat quoi, remonte un peu et puis tu verras ce qu'il y a écrit quoi. Il y a la bouillie bavarde est spawnée d'un joueur qui est assassin. Ouais, et encore au-dessus. Un joueur qui est gros perfide. Ouais, voilà. Et du coup tu signes le contrat. Faut que tu signes le contrat de. Que tu acceptes de consulter ta base tout de suite. Ah, tabasse-moi de... Ah ouais, ok. Ça se fait pas pour lui. Je vais m'étirer, genre. De toute façon, la théorie c'est que vous avez été spec tous les deux. Bah, bien sûr. Ah oui, mais du coup, clair. Voilà, donc et on s'est dit que ça soit, tu vois, plus marrant, on établit des contrats en mode on fait signer aux gens, on leur révèle notre secret, mais on le dit pas, tu vois, après. Ouais. Ouais. Après, on paye combien, c'est ça la question. Est-ce qu'il faut que je fume? Bah, on te paye qu'on te fournit en stuff toute la game, si tu veux. Est-ce que t'attends que je fume là ou pas? Merci, ça fait plaisir. Ah, ok. Bah, je te fournis direct, tu vois. Okay. Ah, ça fait plaisir. Pourquoi j'ai compris, je te fume direct, c'est trop bizarre. Par contre, tu tabasses, hein, je te préviens. Ah, ok, non, dans le contrat, il y a aussi écrit tu fournis en stuff, mais. Non, il y a pas tout écrit. Non, bah non. Attends, bah attends, on va refaire un autre alors. Attends. Tu n'as pas le droit de mettre un coup d'épée de la game. Non, mais ça fait beaucoup. Oh non, la galère là, vas-y, on m'avait pas prévenu, hein. Ah bah, que vous êtes pas honnête, hein. Aussi, l'entreprise de Guild n'est pas honnête, hein, je tiens à le dire. Petit surf, Scott, frère. Non, mais je voulais juste qu'il y ait une situation marrante, mais du coup, elle est pas arrivée. Bah, elle arrivera plus tard, c'est pas grave. Oui, pas de soucis. Bon, venez, Bon, qui veut bouger là? Qui veut rester avec qui là? Moi, je m'en fous, on fait des groupes si vous voulez. Bichard, dis-moi, t'as confiance en Guild ou pas? Ouais, en vrai, ouais. Et lui, il a confiance en toi, j'imagine? Ouais, bah oui. Oui, oui. Viens, mon gars. Bichard, est-ce que par hasard, il y aura qui vous avez des doutes? Non, pour le moment, non. Je suis prêt à ne pas révéler ton secret, mais moi aussi je vais faire partie du contrat. Et en échange même, pour faire partie du contrat, je serais prêt à me donner tes bottes même. Là tu pourrais... Attends, je viens d'y penser mais... Mais frérot là, qu'est-ce que tu essayes de menacer là? Qu'est-ce que tu essayes de faire là frérot? Oh, je vais me faire baiser, oh le con.
Salut Wozak. J'ai failli crever là. Pourquoi? Aïe. Bah disons qu'il y a des loups qui m'ont attaqué quoi, c'est tout. C'est qui, ah, c'est qui? Rien de plus compliqué. Il y a Sakot, c'est Anubis. Ah oh, Scott. Anubis. Sakot. Vote Scott. Malheureusement j'ai déjà voté. Wozak, vote-le. Au début je parlais pas. Mais je comprends pourquoi je suis pas mort en fait. Ça fait quoi les races de Saint-Noir? Je suis pas tout ça mon gars. Statistiquement c'est un de nous 5. Ouais c'est possible. C'est pas moi quoi. Moi j'ai un rôle bien plus pété frérot. Vous avez l'air bien vous. Bah en vrai ouais j'ai 3 saves toi donc je suis assez content. C'est vrai? C'est qui? Curé c'est ça? Ouais voilà ouais. Et Toshiro donc 3 saves en comptant moi du coup. C'est une théorie Et après c'est pas grâce à mon rôle, c'est plutôt indirectement parce que comme je disais je pense qu'il y avait le montreur avec nous mais malheureusement je sais pas où est-ce qu'il était. Bah comme je disais tout à l'heure il y a eu un greu et puis il y avait comme par hasard un LG parmi nous qui a attaqué juste après Alex. Et Alex il dit qu'il est pas montreur alors bon. Mais en gros ça veut dire que les autres sont safe tu vois. Alex c'est sûr aussi parce qu'il s'est fait attaquer par un LG. Ah, c'est pas ah. Ici. Si vous êtes tous les deux safe, moi je suis pas safe. Bah, je pense que je vais faire surtout, hein. Surtout, bah, du coup, c'est pas dans le groupe d'Alex ou justement par là-bas. Par là-bas. Ah, non. C'est moi le montreur. Merde. Ah, bah, c'est bon. C'est bon. Ah, bah. Léger. Ok. Je m'en doutais. Tu fais mal quand même. Ah. Et j'ai speed. J'imagine. Ah, oui, bon, d'accord. Attends, j'ai. C'est lui le loup-garou. Non bah je savais qu'il était LG. Ayoub est méchant ouais. Ayoub est méchant. Ouais. J'ai tous les LG là. T'en penses quoi Gil et Risto? En vrai je pense que Gil est safe hein. D'ailleurs je veux bien le trouver. Là-bas. Là-bas viens. Par là. Tout droit. Mais moi je trouve qu'il reste beaucoup avec Risto hein. Ouais. Mais quand je dis beaucoup c'est beaucoup hein. Je pense qu'il le tient par les couilles. Moi je pense aussi hein. Sinon il a pas sa paye. Est-ce que Risto serait pas assassin? Est-ce que Risto serait pas sa petite salope? Et Gil voyante. Non je pense qu'il l'aurait sauté. Je pense non, qu'il non, l'aurait non, sauté. Non non je pense pas. Non je pense pas. T'as confiance en du monde toi Bichard? Ah, pas du tout. Ah juste okay. Gil quoi. Si je pense que je pense qu'il est safe. Et t'as pas d'infos toi sinon Non t'as non. Juste ça et Pratengus t'en as? Pratensus. Ah bah Gil. Non mais viens faut que je te parle. Ouais. Parfait, ça se passe bien. Nickel, c'est bon, non, mais c'est bon. C'est parfait, nickel, c'est bon. Ça vous pense couple de l'autre côté là? Bien. C'est normal, t'inquiète pas. Ça vous pense couple? Frère, je suis en couple avec tout le monde dans la game si on écoute les gens. Let's go! La polygamie. Allez, go, c'est pareil. Bon, du coup, Scott méchant. Ayoub méchant. Ayoub et. Anubis? Non? Anubis. C'est tout, on a que ça? Et du coup, Bich, t'as dit que tu faisais confiance à Gil, enfin que tu le pensais un peu safe. Je pense. Diloun et Edouard se font confiance apparemment. Enfin, oui, Edouard ils fait restent confiance à Diloun ensemble et je pense qu'ils sont peut-être sœurs. Soit les sœurs, c'est Risto et Gil, soit c'est eux, hein. Je vois pas d'autres duos. Hein. Pourquoi t'as ton épée dans la main en mode t'es prêt à. Non, t'as vu déjà tout à l'heure, j'ai fait la réflexion. Déjà tout à l'heure, il avait l'épée. Diloun, c'est agressif. Hein. Je te sens sur les nerfs là. Attendez. Je te sens sur les nerfs là. J'ai un truc à vous poser comme question. Ok. Il avait pas une épée en fer? Le mec en face, il avait pas une épée en fer tout à l'heure? Attends. Ah, mais y a des méchants qui sont morts aussi, donc peut-être que. Ça, tu parles de Diloun? Ouais. Non, c'est vrai. Après, je sais pas, ça peut être un méchant qu'ils ont tué, mais il l'aurait dit, je pense. Après, ça peut être le couple qui a fait le kill sur les loups, hein. Et il était quoi, du coup, t'as dit? Oh, Omega! Et Wozak? Oh, ouais. J'ai pas touché. J'ai pas Wozak. Wozak, ange déchu. Ange déchu, ok. Et là il reste quoi? Omega était quoi? Était sorcière? Ah oui donc oui il a même pas utilisé la raise. Façon, ouais. C'est Omega qui a dû se faire biser. Toshiro était quoi? Il y en a un de vous deux, j'arrive pas à reconnaître la voix mais qui en a pas eu beaucoup des rôles. Hein. Moi il y en a trois et c'est parce que je demande en fait pour savoir. En général quand t'as pas beaucoup de rôles. Ouais, il y en a juste trois que j'ai pas eu. Il y en a juste trois. Ça va en vrai, 3 sur tout ce qui est. Oui, 100% solo. Ouais. Lol, bah vous savez que je suis pas solo. Jeu d'acteur en français. Hein. Exactement. De toute façon, les gars, la théorie assassin, j'ai été spec en deuxième. Premier, c'est Gil. Et deuxième, c'est moi. C'est vrai. Tout le monde m'a dit ça. Donc bon, si tout le monde l'a dit. Je pense que les mecs qui sont fait spec, ils sont pas au zéro, tu vois. Sinon, ce sera un peu comme. Enfin, genre. Bah, en vrai, je pense s'ils ont les balls de venir au zéro. Qu'est-ce qu'on a pas vu beaucoup dans la game? Et moi, je pense savoir le rôle de Gil parce que je l'ai croisé en cave un petit moment et du coup. Eh, Diloun! Toujours ensemble, hein. Diloun, t'avais pas une épée en fer, toi, au début de la game? J'avais une épée
Il a un oh non. Je trouve une T3 jam comme ça. Ah comme ça. Allez à toi. Ah comme ça. Apparemment ça tombe du ciel. Écoute. Est-ce que je pourrais avoir 50 gapple? Ouais moi aussi. Ça marche pas. Ah bah Gil. Ils sont où tes potes? Enfin, le problème c'est qu'il y a deux villageois et que du coup il y a forcément moins un loup parmi vous là en fait. Hein. Sûrement, ah y a de grandes chances. Y'a même pas le choix en fait, c'est que là genre y a vraiment. Ok, oh, ok. C'est... Oh c'est fou, oh c'est bête. Okay. Oh c'est plus... Oh c'est bête. Bon bah. Les gaps c'est important. Oh y'a tes loups-garous perfides. Oh bah lol. Bah tiens. Bah tiens, dis donc. C'est bizarre ça. J'ai même pas envie de parler. Est-ce que, c'est bon, allez, hein. Est-ce que Guillaume, ça te dit qu'on traîne ensemble? C'est plus la merde, tu veux pas qu'on traîne? Ok, donc en gros, c'est Risto là, l'autre. Je pense que c'est Risto, oui. Hein. De quoi? L'autre pas très gentil. Ah, l'autre pas très gentil. Le deuxième que t'as spec, je pense que c'est lui. Hein. Oh bah. C'est possible. Voilà. Richard, t'avais tellement raison. Il le tient par les couilles depuis tout à l'heure. Je savais que Gil ne tuerait pas l'assassin. C'est un vrai frérot. Richard, il nous a dit mot pour mot. Gil, il tient Risto par les couilles. Je pense qu'il le tient par les couilles. Est-ce que Risto serait pas à ça? Est-ce que Risto serait pas sa petite salope? Et Guy voyante. C'est la vérité! Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi, même sur ça, je suis allé lui faire signer un contrat à Risto hein, pour vraiment qu'il me donne des trucs tout au long de la game, sur ça. Ce que derrière! Parfait, on y va. Allô? J'ai glitch. Ah, t'as glitch? Non, mais c'est bon, t'inquiète. Les gars, vous faites quoi? Mais les gars? Mais wesh. Q's très low. Non. Ah oui, toi c'était pas assassin mon ref. Là, aïe. Non, c'est Risto l'assassin. C'est Risto frérot. Ah yo, vous étiez où? Bah frérot, j'ai pris 3 couches. Derrière nous, y'a Qs aussi, fais gaffe. Ah bah c'est bon. Ah, je fumerai pas maintenant là. Pourquoi? Parce que t'es assassin. Bah non. Bah si. C'est Risto, il l'a dit. Bah non, c'est toi. Et il l'a dit. Oui, non mais non, c'est toi. Bah non, Gil voyante a dit que c'est Risto, donc pourquoi tu penses que je suis assassin? Bah parce que t'es assassin. Bah non, Gil voyante a dit que c'est Risto. Mais Gil voyante tiens par les couilles quelqu'un avec un contrat. Regarde Risto, c'est pour ça qu'il le tue pas depuis tout à l'heure. Ouais, Risto. Ah no fun, arrête de ouf. Bah. Et on s'attaque là maintenant, 1v1, toi et moi. Je veux un verre vraiment. Ok. Bon. Tu t'es vraiment fait spectre deux. Argil. Ah, je sais. En vrai, je t'avoue, si tu me tues, ça m'arrange. Parce que, première victoire assassin comme ça, je suis un peu dégueu. Genre, t'es sœur avec Dilum, du coup. Bah oui, ça fait chier avec moi. ouais, mais pour genre, j'avais pas vu Dilum. Kiffons, là. Parce que je t'ai demandé, là. C'est pas grave, je t'aurais pas dit. J'ai l'impression que tu sous-estimes ton mate, Adore. Non. Je le trouve très très bon, mais j'ai quand même pas résistance là. c'est pour ça qu'il est parti. Je sais que tu vas me le mettre, ça qui est le plus insupportable. Ah oui. Pas de. Comment je pense hier? T'as pas force? Par TS4? Là c'est que t'as pas de chance, que j'ai vraiment mis des vols cette gapple, genre. Ouais, faut me voir. C'est toujours plus quoi. Ah, j'y peux rien. Putain, mais frère, il a 10 000 km, dis-moi. On va le perdre au bout d'un moment, c'est pour ça que je cours. Il est sur la montagne, frère, hein, je le jure. C'est pour ça que je cours. Est-ce que tu veux me raconter une histoire pendant qu'on court? Parce que bon, je vais courir longtemps. T'as pas été metté par un village, mec. Bon, hein? Maintenant il a force, Dilun, donc il faut vraiment qu'on reste à côté, frérot. Alors là, avec résistance, j'ai pris 3 cœurs de coup. Fais gaffe juste. Oh non, rien, je fais que la mute. Oh, Dilun. Résistance, ouais? Et c'est le 2v2 effectué par le joueur français. Un V2 du coup. Un V2. Du coup. Frérot. Ah mais il reste que moi en fait. Bah il reste que toi. Ah ouais. Ah ouais ok. Ah oui. Ah oui. Frérot, si Gil fait une vidéo de cette game, la voix off de cette vidéo c'est: nous sommes en 3v1, la game va être compliquée à gagner.
En face il y a l'assassin. En face il y a l'assassin. On peut perdre à tout moment. Nous n'avons pas 3 rôles PVP, ça va être compliqué. Comment allons faire pour sortir de cette situation? Et après tu vas voir le fight, il va durer 3 secondes, tu vas te faire droit. minutes avant la fin du contrat. Je veux pas attaquer avant. Pourquoi? Parce que je t'ai dit que je donnais tout mon staff à Guil pendant jusqu'à la 150ème minute. Ils ont bypass le contrat. Bonsoir, bonsoir tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de Popcorn. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une équipe de fous. À ma gauche, le frérot Zach, toujours présent. Ah oui, ça va très bien. Je passe un très bon moment sur cette émission. C'est toujours un plaisir d'être là. Ouais, ouais, merci beaucoup, Zach. À côté de Zach, vous pouvez suivre notre cher ami Ponce. Ah oui, moi je viens d'Avignon. C'est un pur plaisir d'être présent sur ce plateau. Franchement, c'est une ville pas mal. J'ai joué à Pokémon. Pokémon, bien évidemment. Dimanche, comme tous les dimanches après-midi, je suis parti sur Mario Kart. C'était un pur plaisir. Et enfin, dernier invité à notre gauche, Marie. Marie, comment tu vas? Salut à tous, c'est Marie. Ça va très bien. Alors oui, aujourd'hui je suis habillé avec une nouvelle tenue. C'est parce que j'ai travaillé DM. On est 2v2, on est 2v3. Tiens, vas-y. On est 2v3. C'est le contrat. Go, on est 2v3. Ah oui, c'est Ayoub, c'est Ayoub. Mais je suis PF, frérot. T'es PF, oui, on est 4 joueurs, frérot. Je vais vous avoir 3 de jour. Non, parce qu'en vrai, je peux pas faire des AVR là. Vraiment. Oh, il a punch. Il va tomber ou pas là un jour là-haut? Mais il fait mal ton arc en plus. Hein. Il est là ou pas Risto? Attends, il faut attendre. Il est là, là, regarde. Juste là. Oh. Bah, viens, on y va tout de suite et puis voilà, le problème est finito. Hop. Oh merde, j'ai mis un coup. Le contrat. C'est vrai? Oh, je te mets des boosts de fou furieux par contre. Vas-y, encore. Comme ça. Oh, mais les boosts de roi. GG. Et le fight qui a duré 23 secondes. Bah, comme annoncé, hein. Comme annoncé, hein. Le problème, c'est que dans le fight des loups qu'il y a eu à la fin, tu pouvais même pas nous trahir à ce moment-là parce que bah, on était tous les trois ensemble et t'étais tout seul après. Donc exactement. T'avais quelques gaps. T'as eu juste le mauvais groupe à la fin. C'est la pire intro de tout YouTube. C'est nul. C'est la pire, vraiment. Ça, ce sera un massage où tu dis. Dadou? Oui. Non. Voyons voir.